Merci, monsieur le président. Il est juste et nécessaire de réparer cette injustice et les préjudices subis sur les harkis. Ce texte constitue une étape de la nation à l'égard des harkis et des oubliés d'Algérie. Cela étant, le texte montre certaines limites. Le point le plus important concerne le montant et les critères d'attribution de l'indemnité de réparation. Car malheureusement, 50 000 harkis et leurs familles sont exclus de ce droit à réparation. Concernant la question mémorielle, elle est importante pour notre pays, mais également pour les relations avec l'Algérie. La reconnaissance et le travail de mémoire est nécessaire. Néanmoins, nous formulons le vœu que ce texte sera amené à évoluer et évoluera. Le groupe communiste républicain, le CRCE, votera en faveur de ce texte. Merci. Bien, merci les explications.